friend team from Belgium. We are living in the area around between Anvers and Hasselt, and we are taking for the first time here in Lac du Der to get some fish, and we hope, but not hope, we are sure we're gonna fish the first rice. Is anybody ready to go? C'est votre première participation à l'épreuve? Oui, première année. D'accord. Qu'est-ce qui vous a décidé en fait à... Bon, c'est un très grand événement, c'est une bonne façon de pêcher le lac autrement que d'habitude. Et niveau communication, c'est un endroit où on rencontre beaucoup de gens et on peut apprendre beaucoup de choses, on peut partager plein de choses. C'est un bon endroit pour quand on a une marque de bouillettes comme moi, c'est Jackpot Baits. D'accord. Parce que vous êtes dans ce cas-là, en fait, vous faites vos bouillettes. Ouais, c'est voilà. Ça, hein? On a presque tous les participants ont presque tous un travail dans la pêche et l'événement sert aussi à faire de la communication. D'accord, ok. Le lac du Der, vous connaissiez jusque-là? Oui, moi j'avais déjà pêché en 2001. D'accord, ok. C'est un endroit très connu et c'est là où il y a un poisson qui est presque le record du monde. Ok, d'accord. C'est un lac très intéressant. A priori, comment ça se présente pour vous par rapport peut-être au tirage au sort qui ça est effectué hier bien. Ça se présente bien. Vous allez pêcher en face? On a un secteur correct, on se retrouve sur les îles, très loin, 40 minutes de bateau pour y accéder. Pas de voiture, rien. Dans tous les cas, ça sera une bonne semaine de vacances. Vous allez pêcher à un endroit tout à fait naturel, quoi, un peu isolé. Ouais, un peu préservé, un peu loin de tout. Ça va, on a de la chance au tirage. Donc la dernière fois que vous êtes venu ici, c'était en 2001, c'est ça? C'est ça. Hein, ok. Et à cette occasion-là, vous aviez pris du poisson déjà? Oui, passé... on avait déjà pris un peu de poisson. Ouais. Ouais. Ok. Et vous n'êtes pas revenu depuis? L'envie ne vous est pas venue de revenir depuis? Ou bah, le temps, c'est les circonstances? C'est aussi la façon dont la pêche est gérée sur le lac qui est un peu... Enfin, c'est un très grand lac où le poisson bouge beaucoup et il faut réserver son poste à l'avance. Du coup, ouais. Ben, si on arrive et que le poisson pense qu'il n'est pas là, qu'il est de l'autre côté, on ne peut pas bouger, ça crée une frustration. Donc je préfère éviter le lac. D'accord. Ouais, okay. Ouais. Juste en pêche deux jours, mais je n'ai pas encore eu le temps de venir. Votre société, vous faites des bouillettes exclusivement? Qu'est-ce qu'elles ont comme particularité alors? J'attrape beaucoup de poissons. Mais encore. Mais encore, ben, c'est une toute nouvelle société. C'est fabriqué en Hollande. Donc moi je suis responsable France et je gère la communication en France. D'accord, alors on voit le voilà, ça, Jackpot Baits, c'est ça, je ne sais pas si on voit bien, mais voilà, Jackpot Baits. Et l'idée c'est de faire un appât très haut de gamme et de vendre directement aux consommateurs. De ne pas passer par un circuit traditionnel de vente au magasin et de revente et de revente pour avoir un produit au final avec un prix d'achat, enfin, un prix de revente très intéressant pour le pêcheur. Donc tout se fait via Internet, je présume, ou et via tout se fait via Internet. C'est là, il y en a trois appâts différents, donc trois parfums différents pour différents styles de pêche. Et après, on sait les faire en plusieurs tailles. Donc ça va du tout petit, 10 mm au 40 mm. Et là, vous avez déjà choisi, vous savez déjà avec quel type d'appât vous allez pêcher? Là, on a choisi ce qu'on appelle les coco-locos. Donc c'est une bouillette blanche. On l'a pris en taille 28 et 24 mm, avec un petit peu de 20 mm et encore moins de 16 mm pour éparpiller vraiment beaucoup. Uh-huh. Et c'est un appât qui n'attire pas trop ou très peu les silures. Okay. Et dans le lac, il y a des gros silures. Uh-huh. Les silures, malheureusement, ne comptent pas pour la compétition, donc il faut accéder... Il faut sélectionner en fait le poisson. Dans mes trois gammes, la Coco Loco, c'est l'appât parfait pour éviter... ce qui est indésirable.